Salut tout le monde, c'est Edge, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais annoncer ma nouvelle équipe que je viens de rejoindre. Et du coup, je pensais en profiter pour vous raconter un peu, très rapidement, mon parcours compétitif sur Call of Duty Mobile. Alors tout d'abord, à la sortie du jeu, directement j'ai surkiffé le jeu et j'ai tryhard comme un porc. Je passais minimum 10 heures par jour pendant un mois. J'étais le premier FR dans le classement pendant la saison 1. Et il faut savoir que moi, en fait, mon rêve, c'est de faire une carrière dans l'e-sport. Et du coup, j'ai pris, et je le prends toujours d'ailleurs, Codem très très au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait comment on fait pour joindre une équipe. Alors moi, au début, j'ai construit une équipe avec mes potes. Donc ça, c'est une solution que vous pouvez faire toujours maintenant. On était sous l'équipe King Seven ou K7. L'équipe était composée de Eufix, Koch, Naze, Darkao, Drainek, Leader QI et moi. À l'époque, on était la deuxième meilleure équipe FR et on faisait partie des 10 meilleurs, en Europe, si je me souviens bien. Malheureusement, ça n'a pas vraiment duré longtemps car pas tous les joueurs étaient aussi motivés que moi et je ne voyais pas vraiment de futur dans cette équipe. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que beaucoup de joueurs disent je vais être le meilleur, je vais faire partie des meilleurs, je vais être dans la meilleure équipe française, etc. blablabla. Mais derrière, ils ne sont juste pas prêts à faire les efforts nécessaires pour atteindre ce but-là. Ils ne sont juste pas assez motivés, ils n'ont pas d'ambition. Du coup, ça ne sert à rien de dire ça en fait. Ça va pas venir comme un miracle. Enfin bref. Pas longtemps après, j'ai rejoint une équipe européenne. Je m'étais dit, j'ai beaucoup plus de chances de réussir dans la scène européenne. Vu que je parle anglais en plus, j'ai beaucoup de chance. Du coup, j'ai rejoint la Monarchie. De ce que je me rappelle, on était la troisième meilleure équipe EU. Et c'était, franchement, c'était grave bien. Mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Parce que l'ambiance et la synergie n'étaient pas du tout là en fait. Et après, quand on a gagné notre premier tournoi d'Enterprise eSport, c'était une très bonne expérience, franchement, mais on n'a pas vraiment. On a cassé peu après parce que si vous n'avez pas de synergie, l'ambiance, vous n'êtes pas fait pour être ensemble quoi. Du coup, ensuite, on m'a contacté pour rejoindre un très gros projet d'équipe, la Elite. Qui est après devenu la Eclipse. Du coup, l'équipe était composée de Drari, Chris, Primza, Orgic, Norse et moi. Après, Norse, il y a eu des changements de roster, etc. Mais bref, sur le papier, on était probablement la meilleure équipe. Après, c'était à nous de montrer nos capacités. Et justement, la Pro League, un gros tournoi de 1 500 $, venait d'être annoncé. Et on a on a énormément bossé sur ça. À l'époque, la Kings était de loin la meilleure équipe européenne. Personne ne les avait jamais battus en tournoi. Ils étaient imbattables, invincibles. Et nous, en arrivant à ce match, Elite contre Kings, on était confiants qu'on était les seuls capables de les battre. Grâce à l'aide de notre coach Fix, d'ailleurs qui avait énormément poussé sur ça, on a réussi à les battre 2-1 et c'était un truc énorme parce que les mecs étaient imbattus, ils avaient un streak de je sais pas combien de games de suite gagné et là on venait de les battre au tournoi et c'était un gros choc pour tout le monde parce que personne s'y attendait en fait et moi j'ai clutch 2 1v1 pour gagner du coup la première et la dernière map. Alors la première map, là j'ai un petit clip que je vais vous montrer après où en gros j'étais on était 9-7 je crois en round et il me restait moi contre Narx qui est le meilleur joueur français, il est juste au-dessus de moi. Du coup voilà, c'était le meilleur joueur français contre le second meilleur joueur français. Du coup il y avait beaucoup de pression. J'étais tarpin concentré, j'ai gardé mon calme et du coup je vous montre ce qui s'est passé. Can he hit the shots? Oh my god, headbutt this is strafing so well.
I'm getting prone in the lapse of a second. And it's paying off really well. Go for Lamborghini push. He's going to try and get in close melee. Can he get the fight though? Look at that. The 1v1 is absolutely insane. Can he get the damage? Yes, he does. Nox is going lower and lower. But can he get the end? No, he can't. Oh my god. He gets the headshot. Head for death. Whoa. Okay, I didn't even see it pop on my screen. That was so fast. Hop, du coup voilà le petit clip, j'espère que vous allez aimer. Franchement, c'était peut-être le meilleur moment de mon parcours pour l'instant, hein. J'ai kiffé ça. Enfin bref, du coup, on est sorti premier des qualifs européennes de la Pro League. On était qualifié du coup dans le tournoi mondial où on allait affronter aussi les équipes américaines. Bon après, malheureusement, plus tard, la Pro League a été annulée à cause de problèmes internes. Et bref, voilà, après ça, on était considéré comme la deuxième meilleure équipe européenne. Du coup, voilà, on avait grave bossé, les résultats, du coup, c'était bien montré. Mais malheureusement, les choses se sont compliquées petit à petit, il y a eu des clashs de personnalité. Plusieurs fois, on a failli disbande. Et puis à la troisième fois, ben, on n'a pas survécu ça. Et ben, du coup, il y a une semaine, je crois, on a disbande. Après, j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Voilà, ça, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi en public. Je vais vraiment garder ça parce que c'est un peu personnel. Mais bref, après le disband, voilà, j'étais pas mal dégoûté avec Fix. Car on avait fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. Et au final, bah, c'était pour rien. Après, voilà, c'était pas non plus totalement pour rien. Parce que chaque expérience, vous pouvez en tirer une leçon. Du coup, voilà, on avait eu des bons moments quand même. Hein, c'était pas non plus pour rien. Mais bref. Du coup, moi j'avais pas mal perdu de motivation pour la compète. Et je me suis dit limite me concentrer sur YouTube pour le moment. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Du coup voilà, je stream, je fais 2 vidéos par jour. Et je kiffe ça vraiment. Et bah, le week-end dernier, il y a Pearl, le manager de l'équipe Codem Polaris, vient me contacter pour demander si j'étais intéressé de les rejoindre. Bah du coup, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, ben, est-ce que vraiment je suis motivé? Et là, je me suis rendu compte, mais putain, en vrai, je suis tellement motivé, il y a le championnat qui arrive. C'était le moment parfait pour reprendre la compète. Du coup, ben, j'ai directement dit oui. Et me voilà, du coup, un joueur AR pour Polaris, la meilleure équipe FR. Alors, pour le moment, on est classé 5e en Europe. D'ailleurs, si vous vous demandez comment je sais qu'on est classé 5e, en gros, c'est un serveur qui s'occupe de tous les classements sur plusieurs jeux, de toutes les régions, donc Asie, Europe, Nord-Amérique. Je mettrai un lien dans la description, comme ça vous pouvez aller voir. Ça s'appelle Galaxy Network, si je me trompe pas. Mais bref, du coup, on est classé 5e là. Mais après, croyez-moi, je compte bien monter dans le top 3 européen et si on peut même dans le top 1 européen. On a une très très bonne équipe et je sais qu'on peut accomplir beaucoup de choses avec ça. Mais bref, le championnat, il arrive dans très très peu de temps. Donc je vais passer beaucoup d'heures à m'entraîner pour être au max pour le tournoi. Et espérer peut-être aller en LAN si on a une. Sur ce, j'espère que vous avez aimé mes petites anecdotes, hein, et on se retrouve à plus tard pour une nouvelle vidéo, et ciao!